Ça y est les amis, ce mode est de retour sur le jeu. Ça faisait depuis 3 saisons qu'il n'était pas revenu. Pour vous dire, même les personnes qui sont arrivées au moment du free-to-play n'ont toujours pas joué à ce mode de jeu. Donc n'hésitez pas à réinstaller Fall Guys pour vraiment jouer à ce mode de fou. Bienvenue dans cette vidéo les copains. Aujourd'hui, on va parler du mode Final Marathon. C'est simple, en gros vous avez 16 joueurs et tous les rounds vous avez une quantité de joueurs, 3-4 joueurs à peu près, qui se font éliminer et en fait vous allez jouer que sur des finales. Donc pour s'entraîner au jeu, c'est vraiment le top et je vous le conseille fortement. Et bien sûr, avant que ce gameplay commence, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Je rappelle que 50% des personnes qui regardent actuellement mes vidéos ne sont pas encore abonnées, donc n'hésitez pas à le faire. On n'oublie pas le pouce bleu et dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de ce mode de fou. D'ailleurs aujourd'hui on a deux nouveaux défis qui sont arrivés dans l'événement Tu me fais Kraken: gagner une finale marathon et aussi arriver 5 fois manche 2 dans le marathon de finale, qui vous permet de débloquer ce fameux petit skin du coup les amis. Et c'est avec celui-ci qu'on va jouer. Je mets le petit mode et c'est parti les refs. Alors on va commencer avec un petit saut toujours, parfait. Avec Ryu. Attends, on va se mettre à côté. Il veut pas faire l'anime en même temps que moi, genre. Il veut pas. Il a pas envie. Il veut pas. Je vais être obligé de les. Ah. J'allais dire, je vais être obligé de les. De les anéantir. Ok, petit extraterrestre. Attention. Bon là. Vas-y, on va rester sur les. Sur les bordures jaunes, ok? Je dois rester que sur les bordures jaunes. Interdiction d'aller sur les bleus. Oh, c'est bon. Ok. Ça a failli être la sauce. Ok. Ouf. Ah, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît en vrai. Hein. Ok, parfait. C'est validé. Ok, les balles Robody Sent. Il y a encore les deux Ryu. Là, en règle générale, ce que je fais, moi, c'est que je reste à chaque fois sur ce cercle-là. Là, sur ce fameux cercle-là. C'est le cercle le plus safe, en fait. Celui-ci-là. À chaque fois que tu te prends des projections, en vrai de vrai, c'est censé passer. Tu devrais pas avoir de problème. Il a pas envie de faire l'emote. Il veut pas faire l'emote le bug. Non. Oh. Il prend cher. Vas-y sur Ryu. Ah dommage. Ok. Oh. Ok. Un autre éliminé. Il reste plus que deux personnes éliminées. Normalement c'est censé passer. Oh là là, en plus là il y a masse boule. Ok. Le premier tir. Le deuxième tir. Le troisième tir. Ok, c'est un échec cuisant. Allez, deux personnes là à sauter. Ça devrait aller vite, messieurs. Ok. Là-bas. Ok, Kebab qui est tombé dans... Ok. Allez, deux lui. Oh, le crocodile, c'est ciao! Voilà, parfait. Ok. Ok. Bon, là, la petite finale à 4. Et comme vous pouvez voir, l'Hexaring est tellement petit. Ah, par contre. Un point Z, évident. Oh, en fait, ouais, faut tout casser le plus vite possible. Il y en a en fait qui vont vouloir faire time out, mais. Non. Jamais on fait time out, nous. Non, on est là pour la bagarre. Pour éclater tout le monde. Bon, surtout que là c'est deux Ryu, donc ça va en vrai. Ok. C'est après le premier tour que ça va être rigolo. Ah non, et c'est que deux personnes éliminées. Ah oui, c'est même pas encore la finale. C'est pas encore le final round.
Oh non, ça va être hexagone, ça va durer pendant 15 ans. Oh non, va falloir que je focus un mec. Oh de Dieu, ok. Le premier Ryu s'est fait éliminer. Il s'est pris un Hadouken. Oh, le bump du deuxième. Parfait, ok. Allez, c'est l'heure de la finale. Oh non, c'est ça cool, parfait. Ok, c'est bon, ça me rassure. Et du coup, là, on va le choper direct. Oh, mais c'est un viewer. Oh, c'est un viewer. C'est un viewer. Bon, bah, il va passer dans une vidéo YouTube, hein. Oh mec. Oh, faudrait qu'il saute dans le vide. Allez. Allez, Yed. Oh non. Il faut... Allez, on grabe. Allez, viens. Allez. Allez, ça va être long sinon. Oh, dommage. Ah, dommage. En plus, il s'est bien joué. Allez. Oh. Oh, c'est quoi cette co? Let's go pour la première game qui est remportée, mesdames et messieurs. Let's go. Ok, on commence avec un petit hexagone tranquille. Ok, ça c'est bien. Comme ça, au moins, on l'aura pas en finale. Il y a trois personnes, hein. Regarde. On va attendre ici tranquillement, ok. Vous savez quoi, on va attendre en bas. On va attendre en bas, ok. 100%, il y en a qui vont déjà tomber. On va attendre tranquillement. Regarde, il y en a déjà qui sont tout en bas. What? Attends, il fout le bug là. Regarde-le lui. Oh mais ouais. Non mais il y en a, ils ont une connexion horrible. Allez, le petit saut toujours. Let's go. Alors. On tente le petit jump bar. Ok. Je vais gratter le petit nez. Allez, première élimination. Ouh, ça va aller vite. Mon petit doigt me dit que ça va aller très vite. Oula. Oh, j'ai failli partir en confetti moi aussi. Ok, il y a Rose qui est juste là-bas. Qui est dans la sauce. Ok, il y en a un qui tombe. Oh, l'autre, faut pas qu'il revienne ici. Oh, il faut qu'il reste là-bas l'autre. Ah, et c'est l'inspecteur Mouette. Le Captain Mouette qui se fait éliminer. Ah, alors. Oh, on va aller tabasser celui-là avec le monocle là-bas. Ok. Ah, dommage. On a pas d'autre qui a suivi. Ah, il est trop bien avec le... Ah oui, il a un œil immense. J'ai pas eu tout fait gaffe. Trop bien. Trop bien. Ok, parfait. Ok. Je peux dire rien. Il y en a, il a sauté les deux pieds dans un petit trou. Oh, je les ai envoyés bouler sur le côté. Oh, parfait ça. Let's go. Ok, pas encore la finale. C'est pas mal déjà. Oh, la petite feinte. Oh, je pensais qu'il allait tomber. Je pensais qu'il allait tomber direct. Lui par contre. Oh non, dommage. Un viewer ou pas? Non,
J'ai l'impression que... Non, c'est pas un viewer. Ça n'est pas un viewer. Ok. D'ailleurs, pour les viewers, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On est en live, bien sûr, tous les jours. Oh, le petit grabe, là. Le petit grabe malsain qui est ici de faire. De toute façon, il faut attendre que ça aille un peu plus vite, hein, là, maintenant. Maintenant, les gars, on commence à avoir du level, hein, quand même. Oh, non, j'ai pas réussi à avoir le crocodile. Oh, il y en a un qui se met dans la sauce. Oh, lui, là, il était dans le... Oh. Dommage. Ok, le crocodile, c'est ciao. Est-ce qu'on tape l'ananas ou le monocle? Le monocle, il a l'air trop choupi. Ouais. Oh, ce que je lui ai mis. Ok, bah ça passe les petits potes. Oh, j'ai jamais fait... Attends, je crois que j'ai jamais fait aussi peu. Attends, si je peux lui... Oh, si je peux tout lui casser. Attendez, si je peux tout casser. Oh, attendez. Oh, what? C'est trop bizarre. Ok, ça passe. C'est allé tellement vite. Ouah, trop bizarre. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur cette map-là, comme ça? C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà les copains, la vidéo arrive à sa fin. Dis-moi ce que t'en penses de ce fameux mode de jeu. Moi franchement, c'est l'un de mes modes préférés. Ça permet énormément de prendre des risques, de faire des fights, etc. pour mieux comprendre les finales et donc du coup mieux performer sur le jeu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi le code créateur GACO dans la boutique si jamais vous souhaitez soutenir cette chaîne sur Fortnite, Rocket League, Fall Guys, à marcher les petits potes. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les copains. Au revoir.